Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis pas très en avance donc je vais pas avoir le temps de vraiment beaucoup vlogger. Je me suis trompée, j'ai mis mon réveil à 7h10 au lieu de le mettre à 6h. Enfin en fait je ne l'ai pas remis. Et en l'occurrence je me suis levée à 7h10, je sais plus quand, vendredi certainement. Et bah résultat, j'étais pas très en avance. Donc du coup là je suis devant la boulangerie parce que je n'ai pas eu le temps de prendre un petit déjeuner. Donc je vais aller m'acheter un pain au chocolat que je vais manger en roulant. Et puis direction le boulot et je vous reprendrai ce soir. Ce soir j'ai des invités, j'ai les sœurs missionnaires de ma paroisse qui viennent dîner avec Anaïs et moi. Donc je ne sais absolument pas ce que je vais faire à manger. Faut que j'y songe dans la journée pour pouvoir aller chez Super U en sortant du boulot. Bon. Je vous reprends, il est 18h, je vais pas pouvoir parler longtemps parce que j'attends mes invités pour rentrer du boulot, mais je suis passée chez Super U en fait avant de rentrer parce que je savais pas quoi faire à manger ce soir, donc voilà, maintenant c'est fait. On va manger du poulet au curry, donc c'est parfait. Par contre, je suis dégoûtée parce que en fait pendant que j'étais partie bosser, les chats sont restés toute la journée dans la maison et évidemment, ils ont été dans la litière, hein, chose logique, et ça pue la mort dans la maison. Donc j'ai mis des désodorisants, j'ai ouvert toutes les fenêtres, sauf que comme j'ai ouvert les fenêtres, et j'ai des mouches partout, c'est horrible, donc je suis un peu dégoûtée. Mais bref, c'est pas grave. Du coup, j'attends Anaïs, qui normalement, j'espérais qu'elle arrive avant. Surtout qu'elle savait qu'elle arrive à 18h, donc... Et voilà, qui est Anaïs. Donc bon, là j'ai rangé vite fait ce qui traînait pour les accueillir dans des conditions convenables. Et puis voilà. Du coup, on va devoir s'installer dehors puisqu'elles ont des règles sanitaires à respecter. En fait, elles n'ont pas le droit de rentrer dans les habitations. Là, depuis qu'il y a le Covid, elles n'ont plus le droit d'entrer. On peut les recevoir, mais dans le jardin. Donc, je vais les recevoir dans le jardin. On va passer par le côté là-bas et puis on va manger dans le jardin. Il n'y a pas de souci. On a la terrasse qui est relativement ombragée et puis après, on a de l'ombre le long des haies là-bas. Alors, c'est pas le long des haies, c'est pas ce qu'il y a de mieux étant donné les ronces qu'il y a dedans. Mais... on va faire avec, voilà. Donc moi je vais commencer à préparer le poulet au curry du coup, puisque il faut quand même que je recoupe les émincés. Et puis en attendant qu'elles arrivent quoi. Et puis après on va commencer à discuter, machin, tout ça. Voilà. Bon je vous reprendrai tout à l'heure du coup. Il y a un soleil dehors, c'est juste hyper agréable. Mais c'est quand même très très chaud. Bon, je vous reprends, il est 21h15. Les sœurs sont parties il y a 5 minutes. On a passé une super soirée. En fait, ça fait longtemps qu'on se voit plus beaucoup parce que, en fait, quand on se voit à l'église, on peut pas trop discuter puisque elles sont en mission, donc elles travaillent auprès de nous. Et donc, du coup, à l'église, elles ont quand même des petites tâches à remplir, puis des contacts à entretenir, etc. Donc, du coup, à l'église, on se parle pas trop, donc là, c'est vrai que c'était vraiment l'occasion de passer une soirée sympa, et on a vraiment passé une soirée sympa. Donc, comme d'habitude, je frotte mes yeux, mais en fait, je ne suis pas noire, c'est toujours la lumière. Donc, super soirée. Donc, là, je vais monter ce vlog. Ah oui, je voulais vous dire un truc. En fait, c'est quand j'ai repris le boulot, jeudi. Jeudi, dans mon vlog, j'ai expliqué que ma chef était venue me voir pour me dire que finalement, j'allais finir à 17h et que c'était abusé parce qu'en gros, on me laissait pas le choix, quoi, alors qu'on m'avait pas prévenu à l'avance. En fait, c'est moi qui n'ai rien compris. Mais vraiment, rien compris. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma chef est venue me voir, comme elle est passée voir tout le monde, en fait, chacun son tour, et elle, pour dire, comme on refait des masques, on retermine à 17h et ça commence aujourd'hui. Donc elle dit ça à tout le monde, elle passe à côté de moi, elle me dit la même chose. Et là je la regarde et je lui dis mais moi j'ai mes enfants à récupérer à 16h30 à l'école. Et elle m'a répondu, eh ben ce sera pour demain. Sauf que moi quand elle m'a dit ça, j'ai cru qu'elle me disait, tu iras chercher tes enfants à l'école demain. Sauf que pas du tout. En fait, quand elle m'a dit « ça sera pour demain », elle parlait des heures supplémentaires. En gros, elle me disait « aujourd'hui, tu vas chercher tes enfants, mais pour demain, essaye de t'organiser ». En gros, c'était ça. Sauf que moi, j'ai rien compris. Donc du coup, je l'ai mal pris. Du coup, j'avais envie de pleurer. Du coup, ça m'a mis mal. Du coup, j'étais mal. Voilà. Et sauf qu'au final, j'avais tout pris de travers alors qu'il n'y avait vraiment pas matière. Et donc, à 15h30, elle est revenue me voir en me disant « du coup, tu pars à 16h ». Et là, je lui dis « non, du coup, j'ai demandé à ma voisine ». Et là, elle me fait « on fait comme on peut, Mélanie. Hein, » Et là, je me suis dit « mais pourquoi elle me dit ça ?» Enfin, dans ma tête, je me suis dit « il faudrait savoir, quoi !»
Sauf que, en fait, je me suis un peu détendue l'esprit depuis. Et tout le week-end, en fait, j'ai pas arrêté d'y penser parce que c'était pas du tout habituel dans son comportement, en fait. Jamais ma chef ne s'était comportée comme ça. Et du coup, ça m'étonnait tellement d'elle que, en gros, j'y ai pensé tout le week-end, quoi. Et dimanche, je me disais, mais... Enfin, est-ce que j'ai bien fait de retourner travailler là-bas? Est-ce que ça va vraiment bien se passer? Et bon, comme à mon habitude, hein, j'ai prié, comme d'hab. Et je sais pas, dimanche, je me suis réveillée avec une illumination où en fait, j'ai compris le sens de ce qu'elle m'a dit. Non mais n'importe quoi. Donc en fait, j'avais tout pris de travers alors qu'il n'y avait pas matière. Enfin bref, du grand n'importe quoi. Donc bah là du coup j'ai commencé à ramasser un petit peu, j'ai débarrassé la table du coup de dehors. J'ai laissé la table dehors parce que je me suis dit comme il fait beau, peut-être que je remangerai dehors dans la semaine. Peut-être. Donc du coup je vais pas rentrer la table. Je m'en sers pas dans la cuisine, alors je me dis autant qu'elle reste dehors, hein, ça nous fait une table d'extérieur. On utilise nos chaises de l'intérieur, mais ça c'est pas grave en soit. Donc voilà, du coup je vais terminer de nettoyer la cuisine parce que concrètement j'ai rangé, mais il faut quand même que je nettoie. J'avais prévu normalement de me faire une gamelle pour demain, mais je n'ai absolument pas le courage, donc j'irai m'acheter un plat demain midi qui va en soit m'empêcher de... Ah bah quoi que, non, en fait j'irai me chercher un sandwich demain. Vu que je vais partir chez le dentiste, ou alors je jeûne. Ouais, ou alors je jeûne. Parce qu'en fait, du coup, comme je vais m'absenter de mon boulot pour aller chez le dentiste, bah, du coup, il faut que je récupère après mes heures. Et bah, clairement, si je jeûne, ça me fait récupérer quand même trois quarts d'heure. Parce que je suis obligée de prendre un quart d'heure. Mais je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je me dis, au pire, je m'achète une pomme et je mange une pomme et je reprends le boulot direct. Comme ça, je récupère trois quarts d'heure. Ça serait pas mal. Ça serait vraiment pas mal. Mais je sais pas. J'aviserai demain. De toute façon, si je dois aller m'acheter un sandwich, ça sera demain matin en sortant de chez le dentiste. Donc, je verrai bien. Parce que concrètement, je ne sais pas vraiment à quelle heure je vais retourner au boulot. Je vais partir à 9h15. J'ai des mouches partout. Mais alors, évidemment, vous n'allez pas les voir. Je ne sais même pas où elles sont, là. Si on les voit un petit peu. Bah oui. Vous les voyez, là. Non, de l'autre côté. Voilà. Bon, bref. On s'en fout. Mais j'en ai partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 là-bas. J'en ai vu une derrière moi, 13. Donc, je vais mettre un coup de pchit. Hein, parce que ça va pas du tout. Donc, on m'a conseillé les prises. C'est vrai que j'ai pas pensé à en acheter. Je vais aller voir d'ici ce week-end. Parce qu'en gros, dès que j'ouvre ma fenêtre, c'est l'invasion. Donc, c'est un peu galère. Donc, ouais, demain, je verrai bien. Je vais partir à 9h15 du boulot. Je commence à 8h, donc je vais quand même travailler pendant 1h15. Je vais pas dire à ma patronne, j'arriverai après. Je vois pas l'intérêt, alors j'ai la possibilité de travailler 1 heure avant. Donc, je vais travailler pendant 1h15. Ensuite, je partirai chez le dentiste. J'ai rendez-vous à 10h. Non, d'ailleurs, je vais partir à 9h30. Parce que c'est à Chemillé, donc c'est pas loin. Donc je vais travailler 1h30. Je vais partir à 9h30. J'ai rendez-vous à 10h. Mon rendez-vous dure 40 minutes. Et ensuite, le temps de retourner, je pense que au plus tard, à 11h15, je suis rendue au travail, quoi. Donc sur mon bordereau d'absence, j'avais marqué midi. Je sais pas pourquoi. Et du coup, je suis retournée voir ma chef en lui disant « Je suis vraiment désolée, t'as vu mes bons d'absence ?» Elle me dit « Oui, j'ai vu. » Elle me dit « Désolée, pourquoi ?» Je fais deux rendez-vous dans la même semaine. Et puis là, elle me fait elle me dit on fait ce qu'on peut. Hein. Je me dis, punaise, elle est quand même vachement compréhensive, quoi. Donc demain j'ai rendez-vous chez le dentiste et jeudi j'ai rendez-vous chez le chirurgien esthétique. Le verdict que j'attends tant. Ai-je un diastasis? Parce que si j'ai un diastasis, ça veut dire que ça sert à rien que je fasse des abdos en fait. Alors que si j'en ai pas, je vais m'y mettre sérieusement. Parce que clairement, je me regardais dans la glace et clairement, mon corps ne me dérange pas en fait. C'est mon ventre qui me dérange. C'est uniquement mon ventre. Parce que mes hanches, je les aime bien. Mes fesses, je les aime bien. Bon, mes seins, j'en ai perdu un peu, je trouve.
Donc du coup ça me va mieux. Enfin, je sais pas trop, on voit pas avec le t-shirt, mais du coup ça va. J'arrive à les accepter, ceux-là. Ils sont un peu moins gros qu'avant, mais ma poitrine, ouais, ça va. Mais c'est mon ventre, quoi. Mon ventre là, ça, toute cette partie là, je voudrais enlever tout ça en fait. Et je me dis, avec des abdos, ça va le faire. Sauf que en fait, j'ai beau faire des abdos, je sens que rien ne travaille en fait. Parce que normalement, quand ça travaille, on a mal aux abdos. Moi, j'ai jamais mal. Et pourtant, je me donne à fond. Et je sais que ma position est bonne parce que j'ai appris à faire les abdos en salle de sport avec un coach. Donc, je sais que ma position, elle est bonne, que mon geste est bon, mais ça porte pas ses fruits, en fait. Donc, je sais pas dire pourquoi, mais c'est comme ça. Donc là je vais vous laisser, n'est-ce pas? Je vais faire le montage de ce vlog. Et puis du coup, je vous reprendrai peut-être demain en sortant du dentiste. Je vous prendrai demain matin évidemment pour l'ouverture. Mais peut-être que j'aurai l'occasion de vous reprendre après le dentiste. Et puis en fait je me souviens même plus ce que je vais faire chez le dentiste. Je crois qu'elle va me changer mon... En fait si je souris, regardez ici. J'ai un plombage noir dans une dent qu'on voit par transparence en fait. Et du coup, elle m'a proposé de me remettre dedans un plombage blanc pour que ma dent redevienne... Enfin, en fait, on a l'impression que j'ai une dent pourrie quand je souris. Sauf qu'en fait, c'est parce qu'on voit le plombage par transparence, tout simplement. Donc du coup, elle va me mettre un plombage blanc, comme ça je n'aurai plus cet aspect gris, quoi. Et elle va aussi me réparer une dent ici qui normalement a déjà été plombée. Mais en fait, je sais pas si la dent, elle s'est usée ou s'il y a eu une nouvelle carie dedans, je ne sais pas. Mais tous mes aliments se coincent dedans. Donc, c'est très compliqué. Et ensuite, normalement, après ce rendez-vous-là, on doit s'occuper de celle-là qui a été arrachée, en fait, et qui doit normalement être remplacée. Et j'ai hâte parce que franchement, je trouve ça vraiment dégueu quand je parle, qu'on voit que j'ai un trou. Et ensuite, ça sera celle-là. Ici aussi, je vais avoir un appareil, en fait, pour combler le trou. L'appareil de vieux, c'est génial. Mais au moins, j'aurai un beau sourire, c'est ce que je me dis. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Ce petit vlog aura été vraiment bref et pas hyper intéressant, hein, je dois le dire. Mais du coup, on a quand même passé une super soirée. Donc, je suis très contente. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner. Et à demain.